Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Tim de Space News. La présentation d'aujourd'hui est un extrait de nombreuses conversations que j'ai eues avec Zen et d'autres contacts et que j'ai révélées au public dans mon livre Premier Contact, articles 19 et 20. Je les ai présentées sous forme de tableurs qui donnent l'année des traités, les gouvernements concernés, quelle lignée extraterrestre est entrée en contact et le contenu des traités. Je vous encourage donc à lire ces passages très importants qui sont de sources extraterrestres. Cette conférence reprend certains des éléments publiés dans mon livre, mais j'en ai rajouté d'autres que j'ai reçus depuis et qui n'y sont pas. Il y a eu de très nombreuses tentatives de contacts et de rencontres depuis les années 1900 et bien avant, mais celles qui sont les plus connues sont celles qui prirent place aux USA en février 1954. Deux fois deux rencontres qui eurent lieu d'une part avec une délégation de ce qu'on appelle les Nordiques, c'est-à-dire essentiellement des Pléiadiens, représentants de la Fédération Galactique, et d'autre part vers la fin du mois de février 1954 avec une délégation originaire de Zeta Reticuli, des Petits Gris, envoyée en éclaireur, suivie d'un collectif d'Orion, les reptiliens Maitreyi, les grands maîtres, les grands gris, et dans les mois et années à venir, les Malakaks, les grands blancs et les Mantis, une lignée extraterrestre de type insectoïde. Plusieurs chefs d'État ont rencontré des délégations extraterrestres ou les ont accueillis dans leurs bases militaires, dans des groupes de travail, au sein de leur gouvernement ou de leurs équipes de recherche. Les deux rencontres dont je parle, les plus importantes en 1954, sont celles qui ont eu lieu entre le président Eisenhower et plusieurs races d'extraterrestres qui sont souvent confondues l'une avec l'autre et présentées comme s'il s'agissait d'une seule et même rencontre. Il n'en est rien. Il s'agit en réalité de quatre atterrissages extraterrestres et quatre rencontres au minimum avec les gouvernements, notamment le gouvernement américain. Ces rencontres sont quelquefois aussi confondues avec celles du projet américain intitulé Sigma. Les rencontres dont je vais vous parler ont été enregistrées et sont accessibles sur le site officiel et public des archives gouvernementales des USA que vous pouvez consulter en ligne. Parlons d'abord du projet Sigma. Ce projet a été lancé à l'origine en 1954 aux USA. Il faisait partie d'un autre projet et il est devenu distinct en 1976. Sa mission était d'entrer en communication avec des extraterrestres et c'était une opération conjointe de la NSA et de la CIA. Le but de cette opération, menée sous la supervision immédiate du président Eisenhower, était d'établir un partenariat productif entre les êtres humains et les extraterrestres. Des scientifiques attachés au projet ont repéré un groupe suspect d'astéroïdes qui semblait se déplacer de manière uniforme, toutes ensemble, et à l'aide d'un équipement de télécommunication. Récupérés dans un crash d'OVNI sur Terre, ils ont sollicité une rencontre. Une réponse a été donnée par la race extraterrestre connue sous le nom de Grand Gris, qui a accepté d'atterrir sur Terre et de rencontrer des représentants des gouvernements. Cette communication entre les membres de la NSA et de la CIA a été captée par ce qu'ils ont appelé des bleus,
Donc les seules lignées extraterrestres qui ont la peau bleue sont les Andromédiens. Donc je suppose que les communications ont été captées par les Andromédiens, ou tout au moins les Andromédiens qui font partie de la Fédération galactique. Et ils ont conseillé de ne pas entamer de négociations avec les Grands Gris, affirmant qu'il s'agissait d'une race d'extraterrestres centrée sur eux-mêmes et qui n'agissait que pour leur propre lignée. Les Bleus ont fait leur propre offre, affirmant qu'ils aideraient l'humanité dans son développement spirituel en échange de la destruction de l'arsenal nucléaire de la Terre, tout comme vous allez l'entendre aussi de la part des Pléiadiens qui ont eux-mêmes pris contact avec Eisenhower. Les Andromédiens ont déclaré que l'humanité n'avait pas encore prouvé qu'elle était capable d'exercer une maîtrise de soi suffisamment profonde, et pour la même raison, ont indiqué qu'ils ne fourniraient pas de technologie extraterrestre aux êtres humains. Les Bleus, donc les Andromédiens, ont également formulé diverses critiques à l'encontre de l'humanité, soulignant les guerres, la pollution et le gaspillage endémique des ressources naturelles. Le gouvernement américain a rejeté l'offre et les critiques des Bleus, pensant que leur demande de démantèlement de l'arsenal nucléaire pouvait être un stratagème pour laisser la Terre sans défense face à une attaque extraterrestre. Il est à noter que le premier contact d'Alex Collier avec l'Andromédien Morané a également pris place en 1964, et 53 ans plus tard, en 2017, Morané s'est proposé pour devenir mon principal contact andromédien. Malgré les avertissements qui ont été donnés par les Andromédiens, le gouvernement américain a décidé de rencontrer les Grands Gris. Ces derniers ont informé les représentants du gouvernement américain qu'ils seraient heureux de leur donner des technologies extraterrestres avancées, notamment, écoutez bien, des armes et des instruments de contrôle mental, pour autant que certaines conditions soient remplies. Les Grands Gris ont affirmé que leur ADN souffrait de dégradation et qu'ils voulaient utiliser le génome humain pour stabiliser leurs propres gènes et assurer la pérennité de leur espèce. Ils ont demandé la permission d'enlever des êtres humains et d'effectuer des recherches génétiques en assurant au gouvernement que leurs sujets leur seraient restitués indemnes sans aucun souvenir de ce qui leur était arrivé. Les extraterrestres ont également exigé que le gouvernement américain ne révèle pas leur présence sur Terre et n'interfère pas avec leurs activités.